La Journée internationale de la liberté de la presse a donné l'occasion aux hommes des médias de se retrouver autour d'un match de volley-ball. Il s'agit de la 5e édition des Journées Médias Bénin JMB, organisée par l'association Élan Média, présidée par Ghislaine Adimi, avec le soutien de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Le choix de cette discipline est bien précis. Cette année, on a décidé d'être avec le volley-ball, histoire de mieux nous imprégner du jeu. Volleyball et puis de donner un peu aussi de la promotion à cette discipline. C'est une discipline qui est, quoi qu'on dise, qui fait aussi de la fierté au Bénin. Et c'est pour nous aussi une façon de transpirer. Nous sommes pas de la liberté de presse, de nous libérer des stress quotidiens que nous vivons dans nos rédactions. Cette séance est précédée d'un échauffement. Les hommes des médias ont profité de l'occasion pour renouer avec les activités sportives. L'objectif principal, c'est de permettre aux professionnels des médias, ceux qui le font toujours, de continuer avec les activités sportives. Et ceux qui ont cessé un temps avec les activités sportives, à cause peut-être de la profession, de s'y mettre à nouveau et de savoir que c'est avec le sport qu'on maintient le mieux l'organisme en forme. On reste le mieux en bonne santé. Cette 5e édition des Journées Médias Bénin se poursuit par une série d'activités. Au début de la semaine, le 3 mai précisément, nous avons eu à faire la média immersion qui a consisté à donner l'opportunité à des acteurs de la société civile d'aller s'imprégner de nos réalités au niveau des rédactions. Cette rencontre-ci de Beach Volleyball est la deuxième activité pour le compte de ces Journées Médias Bénin. Le 13 prochain, nous allons être du côté de la plage Vétogouin pour encore nous amuser beaucoup plus à travers un pique-nique que nous avons dénommé les JMB parties. Et juste après les JMB parties, le 20 prochain, nous irons à la découverte de la pétanque. Et ça va faire, vous allez me dire que ça va faire deux activités sportives pour cette édition. Alors cette deuxième activité sportive est comme un étranger qui ne devait pas être dans le programme en principe. Mais on a dû le mettre dans le programme vu l'actualité qu'est le 50e championnat du monde de pétanque qui va se jouer au Bénin en septembre prochain. Les JMB de cette année s'étendent tout au long du mois. Ok. Bien joué. Bien joué. Il est bon. Il est bon. Non, il est bon. Il est bon.